Bon, mais salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc bah, aujourd'hui je pensais pas faire une vidéo, mais apparemment les résultats sont là. Donc je viens juste de faire un doublé. Donc je vais vous montrer un petit peu la stratégie que j'ai adoptée avec un nouveau montage encore qui est pas mal pour les eaux froides, pour tout ce qui est lancé à longue distance aussi. Ça évite tout emmêlage sur n'importe quel substrat aussi. C'est pareil, que ce soit fond vaseux, fond dur ou avec de l'herbe ou n'importe, c'est vraiment extrêmement polyvalent. Ça se lance vraiment très très loin aussi. C'est vraiment excellent comme montage. Donc je vais vous présenter les deux poissons et puis on voit le montage en image. Ouais, voilà le premier poisson. En plein cœur de l'hiver. De là vous aurez sûrement la vidéo pas en temps réel. Donc l'eau est à peu près à 3-4 degrés, avec une température extérieure avoisinant presque les 0 degrés. Ça fait plaisir. Et voilà le second poisson. Donc si vous remarquez bien, je pense que je l'ai déjà fait là, on voit bien les trois petites écailles. On s'empêche pas que c'est vraiment un super poisson. Surtout à cette saison, c'est vraiment très difficile de faire du poisson. Donc vraiment une très faible activité. Les poissons bougent vraiment très peu. Super. Je remets ce poisson à l'eau et puis on va voir en image comment réaliser le montage qui m'a permis de faire ces deux poissons. Et voilà. Bon, mais voilà le montage que je viens d'utiliser. Donc j'ai deux cannes, les deux cannes sont montées à l'identique. Donc ce montage s'appelle le shod rig. Donc c'est pour présenter une bouillette flottante en fait sur une tête de ligne en lit de corps avec le plomb en bout. Donc on comprend bien que niveau performance de lancer, c'est vraiment optimal. Donc un tout petit bas de ligne qui a présenté une petite flottante avec un petit hameçon avec une totale liberté. Et le plan en bout qui permet de propulser en fait le montage vraiment n'importe où et quasiment à n'importe quelle distance en fait. Ça prend pas l'air ni rien, avec un plomb qui est assez profilé. Donc pour pêcher en longue distance, en bordure, sur substrat mou ou dur ou s'il y a un peu d'herbe, c'est vraiment excellent quoi. Donc ce montage c'est vraiment la polyvalence à l'extrême. Donc c'est ni plus ni moins qu'un montage hélicoptère, sauf qu'il y a un bas de ligne qui est vraiment extrêmement court. Alors bien sûr rien n'est bloqué, donc c'est assez juste deux perles qui coulissent sur le lit de corps, qui forcent un tout petit peu pour favoriser l'autoferrage. Et aucun nœud sur le lit de corps ni quoi que ce soit pour tout bloquer. Au cas où si jamais il y a une casse, il faut que les perles elles s'enlèvent facilement et que bien sûr que le poisson on reste plus qu'avec le bas de ligne, c'est l'optimal. Donc on va voir comment on réalise ça facilement et avec pas grand chose quoi. Voilà, en ce qui concerne le montage, donc rien de bien spécial. Donc il faut prendre quand même quelques petites précautions. Donc alors pour tout ce qui est petit matériel, donc ça va être du lit de corps, un hameçon à œil sortant, un micro-anneau. Une agrafe rapide, genre quick link, un émerillon à anneau, un bout de fluorocarbone. C'est plus pratique avec le fluorocarbone car il est plus raide, donc on va pouvoir le manœuvrer comme on veut. Deux petites perles en caoutchouc et une petite tétine qui va se loger
sur le quick link à la fin. Et un plomb. Donc alors pour commencer, on va prendre du lit de corps qui va nous servir comme tête de ligne. Donc alors là, on prend un bon mètre. Donc on fait un petit nœud comme ça là pour éviter avec le que l'amont plomb qui est à l'intérieur ne parte trop loin. Donc on fait sortir lame de plomb. On en enlève une bonne partie. On coupe. On remet bien la tresse comme il faut. Donc là, ça va créer une charnière. Donc là, après, petite particularité, il faut prendre une aiguille à épissure. Donc c'est une aiguille qui a un tout petit chat. Donc vraiment conçu pour ça, parce que sinon vous allez trop galérer, quoi. Se comparer à comparer une aiguille classique. Donc on voit bien la différence de taille des chats. Ce sera plus indiqué d'avoir une petite qu'une grosse, hein. Vous allez moins galérer comme ça. Donc on reprend le lit de corps, là où c'est qu'il y a juste le début de lame plombée. On le pique avec le chat. On la tourne sans la faire sortir de l'autre côté. On l'enfile sur quelques centimètres. Voilà, comme ça, à peu près. On la fait sortir du lit de corps, comme ceci. On le coince dans le chat. Et on fait coulisser le lit de corps à travers le lit de corps. En y allant tranquillement, pour éviter de casser l'aiguille. Donc c'est pour ça qu'il faut une aiguille vraiment conçue pour, une aiguille à épissure, pour éviter de casser, pour éviter de trop y forcer dessus. Donc alors pour garder cette boucle, vous prenez soit une aiguille à bouillette ou tout ce que vous voulez en fait, pour éviter que, parce que quand vous allez tirer dessus, peut-être que ça va y revenir. Donc il faut vraiment éviter de fermer le. Voilà. Elle vient de se coincer contre l'aiguille à bouillette. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir votre petite épissure qui est bien faite. Donc voilà, en tirant dessus, ça permet d'avoir une boucle parfaite. Une fois que c'est sorti, il ne reste plus qu'à tirer sur le brin. Tout faire ressortir. Et voilà. Votre épissure en fait elle est terminée. Donc vous pouvez retirer l'aiguille à boulette. Couper l'excédent. Couler l'excédent pour faire une petite boule. Pour éviter qu'il s'effiloche et qu'il ressorte. Et voilà, votre épissure, elle est parfaite. Même principe pour de l'autre côté. Donc vous prenez votre mètre, un bon mètre de lit de corps. Plus petit, ça sert à rien. Voilà, un bon mètre pour bien que ça se plaque, pour bien que ça se plaque au fond. Vous coupez. Et là, même principe. Vous faites une petite boucle pour éviter que l'âme plombée ne sorte trop. On sort 8-10 cm. On coupe. On met la tresse en place. On prend juste à l'endroit là où c'est que l'amont plomb
c'est fini. On pique la tresse, on tourne l'aiguille et on l'enfonce à l'intérieur de la tresse. Sur 2-3 cm. On la refait sortir. On referme le chat en faisant coulisser. Et on tire délicatement. Une fois que c'est fait, on place l'aiguille à bouillette par exemple. Et on tire tranquillement jusqu'à temps de faire sortir le lit de corps. Après, à la main, ça s'enlève tout simplement. Et voilà. Votre deuxième épissure est faite. Même principe. On coupe ce qui dépasse. Pas trop près. Et on brûle l'excédent pour créer une petite boule pour éviter que ça s'effiloche. Et voilà, votre deuxième côté fait. Donc pour le lit de corps, c'est terminé pour l'instant. En ce qui concerne le nœud pour fixer, pour accorder votre corps de ligne à votre lit de corps, en fait rien de bien sorcier. Donc pas d'agrafe ni quoi que ce soit, parce que le poisson, si jamais ça vient à casser, le poisson il faut absolument qu'il se détache du lit de corps, hein, pour éviter de traîner ben, toute cette laisse. Donc qui lui reste vraiment que le bas de ligne dans la bouche. Donc absolument interdit les raccords avec des agrafes ou autre truc comme ça. Donc alors vous prenez votre corps de ligne, vous passez dans la boucle. Puis là rien de bien compliqué, hein, vous faites un nœud universel en faisant 3-4 tours et en repassant dans la boucle. Voilà, vous obtenez un truc qui est assez solide quand même. Mais bon, le défaut c'est que si on a besoin de changer le lit de corps ou autre, ou changer la présentation, bah, il faut couper le corps de ligne et refaire un nœud. Bon, c'est pas difficile ni long à faire, mais bon, tant qu'à faire, je vais vous montrer une autre petite astuce. Donc il suffit de prendre le corps de ligne et de faire une grande boucle. Comme ça vous allez pouvoir passer le plomb et le montage avec, voire même avec le sac soluble au bout. Donc une boucle, on fait un premier nœud et on en refait un autre. On serre. Comme ça, ça fait une boucle. Donc là elle est petite et tout, il faudra en faire une plus grosse pour passer le sac soluble si on veut. On reprend le lit de corps avec la boucle. On passe le corps de ligne, la boucle, boucle dans boucle. Et ensuite, on fait passer tout le lit de corps avec le montage dans la boucle du corps de ligne. On tire. Passer le nœud et voilà, une boucle dans boucle, on serre et là c'est à toute épreuve aussi pareil, et ça on peut très facilement l'enlever pour changer le lit de corps, le montage et tout ce qu'on veut, la présentation, sans avoir à refaire le nœud ou quoi que ce soit. Comme ça, avec une grande boucle, on peut même passer le sac soluble par cette boucle et gagner un peu de temps au cas où s'il y a besoin. Alors c'est un montage aussi, c'est pareil, hein. soit vous pouvez utiliser rien qu'avec des bouillettes denses ou de la farine, des particules, de la graine, absolument tout ce que vous voulez. Donc soit vous pouvez le lancer bah, tel quel, soit sinon bah, vous pouvez adjoindre
un petit sac soluble là, bah, directement sur le plomb. Comme ça freine pas trop là, ça freine pas trop le lancer. Ça se lance vraiment à nickel aussi. Donc plus ou moins gros les sacs comme vous le souhaitez. Hein. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. Comme ça au moins vous avez une petite réserve d'appât en fait juste à côté de votre montage. Et ça pêche bien ça. Voilà en ce qui concerne l'amorçage. Donc là vu qu'on est on est en plein hiver et tout là, il faut absolument pas amorcer ou avec des matières solubles. Donc vraiment très localisé, il faut vraiment chercher le poisson et connaître assez bien le terrain de jeu. Et puis bon, on essaye quand même de faire du poisson malgré le froid. Et puis ben, on y arrive de temps en temps. Donc niveau amorçage, en fait, là j'ai que deux cannes. Donc il y en a une qui est en bordure. Pareil, hein, les deux cannes sont montées en chaudrigue. Donc une avec de l'amorçage, de la farine en fait. Donc j'ai fait quelques boules. Absolument rien à bouffer dedans. Donc pas d'èche du tout, rien, pas de bouillette, absolument rien du tout. J'ai fait 3-4 boules en bordure et puis le chaudrigue par-dessus. Et sur l'autre, bah, je vous ai montré là un petit sac soluble sur le plomb et absolument rien d'autre. Voilà les touches pic-pic d'hiver. Alors là, il faut pas hésiter. Hein. Il faut prendre contact avec le poisson parce qu'ils sont vraiment très discrets. En cette saison, il faut pas les rater, quoi. Bon, mais voilà, c'est avec ce dernier poisson que je vais vous dire au revoir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile. Et puis, n'hésitez pas à sortir, même si les conditions climatiques sont pas terribles. Là, je termine sous la pluie, donc je vais remettre ce poisson vite fait à l'eau. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bonne pêche, allez, ciao!